Bien, alors nous allons reprendre. Et là, je vais, comme je vous l'ai dit, plus insister sur cette métrique dont j'ai parlé en introduction, qui permet de mesurer la distance qui nous sépare des lumières, de l'esprit des lumières. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, certains analystes disent qu'on est entré dans une période dite postmoderne. C'est-à-dire que nous avons quitté la modernité qui a été notre guide en quelque sorte pendant plusieurs siècles. Et une façon de le montrer, c'est de regarder comment s'est déroulé en France un débat qui a été animé par l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques à propos des pesticides. Bon, j'ai pris les pesticides, mais j'aurais pu prendre le nucléaire ou autre chose. En fait, c'est le même genre de discussion ou d'enjeu qui se joue et qui fait que, sur toutes ces questions, une multiplicité de valeurs invoquées pour argumenter empêche qu'on accède à des conclusions consensuelles, une sorte d'éclatement des valeurs auxquelles on se réfère pour argumenter. Par exemple, pendant les auditions qui ont été menées par l'Office parlementaire sur cette question, toutes ces valeurs dont je parle ont été mises en concurrence. Celui qui a été malade, d'après lui, à cause des pesticides, fera valoir un système de valeurs au regard de sa santé. Celui qui craint des difficultés économiques pour son entreprise développera un système de valeurs économiques. D'autres acteurs mettront en avant des valeurs philosophiques. Et ça donne un résultat très, très contrasté, d'autant plus qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'en France, une partie de la population est devenue, disons, néo-rousseauiste, c'est-à-dire considère que tout ce qui est contre nature ou pas déjà dans la nature doit être considéré comme mauvais ou dangereux. Et la tentation, qui est d'ailleurs le chemin le plus souvent suivi, c'est que dans ces conditions, on va utiliser pour arbitrer le principe de précaution. Or, comme vous le voyez bien comme moi, il existe en fait deux principes de précaution qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est celui qui a été inscrit dans la Constitution et qui prétend bénéficier d'une dimension, disons, objective, presque scientifique. C'est-à-dire que l'État, en fonction d'une procédure qui sera essentiellement scientifique et réclamera donc l'intervention d'experts, prend une décision qui résultera du rapport de force ou du rapport simple même entre le coût et le bénéfice. Et on va faire des recherches pour diminuer les incertitudes qui permettent d'évaluer ce rapport. Mais il y a aussi, il est peut-être plus présent que le premier, un second principe qui existe plutôt dans les médias, qui est un principe qui permet de revendiquer le droit de vivre tranquillement, autrement dit de ne pas être exposé à une inquiétude. Il s'agit là alors de réduire, en vertu du principe de précaution, non pas le danger, mais l'inquiétude, le souci ou l'angoisse. Et vous voyez bien que ces deux principes différents, parce que travailler à réduire les dangers, ça suppose un certain nombre de moyens, d'actions, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on développe pour réduire les angoisses ou les soucis. Il y a des angoisses qui sont parfaitement fondées, il y a des dangers qui sont parfaitement réels, mais qui sont complètement ignorés. Et puis on peut se demander pourquoi le principe de précaution n'a pas déjà été utilisé pour interdire le tabac, par exemple. Alors, parce que le tabac, on sait qu'il tue, il est marqué sur les paquets de cigarettes. Donc là, il n'y a même plus de travail scientifique à faire, on le sait. Mais ça n'induit pas d'action d'interdiction, alors que le principe de précaution réclamerait qu'on l'arrête purement et simplement. Donc vous voyez que dès qu'il s'agit de risques, il y a des évaluations extrêmement bizarres qui sont faites, et la perception que nous avons des risques n'est pas corrélée directement à leur valeur, à leur intensité, je veux dire. Il y a ainsi d'ailleurs un troisième principe de précaution, c'est celui qui est déployé par le journal L'Équipe. Très intéressant de lire L'Équipe. On apprend des choses sur la société française. Et à chaque fois qu'un coureur du Tour de France est éliminé de la course parce qu'il a été pris dans une affaire de dopage,
l'équipe, en tout cas ils l'ont fait plusieurs fois, écrit un éditorial en disant qu'en vertu du principe de précaution, les organisateurs n'auraient pas dû accepter ce coureur dans la liste des participants. Donc là, le principe de précaution, il n'y a rien de scientifique, c'est juste une sorte de règle de prudence habituelle, mais qui est placée sous l'égide d'un principe constitutionnel, qui est le principe de constitution. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où vient est-ce qu'il y a cette polyphonie des valeurs revendiquées, cette métaphore, cette cohabitation à la fois du souci de réduire les dangers et du souci de réduire les angoisses? Comment est-ce qu'une situation comme celle-là a pu s'imposer? Beaucoup de mes collègues scientifiques pensent que ça vient du fait que la science n'est pas insuffisamment diffusée. Et donc, ils disent qu'il faut faire la vulgarisation, etc. Bon. Évidemment, ils ont sans doute raison, mais on fait déjà beaucoup de vulgarisation. Mais les messages scientifiques n'étant pas les plus agréables forcément à entendre, ou les plus faciles d'accès, sont mises en concurrence avec toutes sortes d'autres messages, plus faciles d'accès et peut-être plus séduisants. Bon. Et donc moi je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit la faiblesse ou l'insuffisance de notre activité de vulgarisation qui soit responsable de cette situation. D'autant plus que je vois bien que la vie quotidienne parle déjà le langage scientifique. En fait, il y a de la science dans les médias en permanence, tous les jours. Mais elle est là sous la forme d'un feuilleton diffus. Elle n'est pas là sous la forme d'émissions spéciales, en prime time ou ailleurs, mais elle est là constamment dans les journaux télévisés, dans les informations. Mais elle y est d'une façon assez spéciale, qui est que on peut lire par exemple un jour dans la presse que le vin donne le cancer, et puis le lendemain lire qu'il protège du cancer. D'ailleurs, si vous voulez faire l'expérience que j'ai déjà faite, étant assez praticien de certains sports, disons d'endurance, j'essaie de savoir si c'est bien ou pas de boire du vin rouge, que j'aime par ailleurs. Donc la question c'est est-ce que je dois vraiment me sacrifier ou pas? Donc je fais ma petite enquête, et c'est impossible d'avoir la réponse. Impossible. Il y a autant de sites qui disent que c'est bien que de sites qui disent que c'est terrible. Autrement dit, par sa surabondance, l'information crée de l'indécidabilité et donc de la perplexité. Et c'est ça qui fait que les débats ne sont jamais conclusifs. C'est que la recherche qui est menée, au lieu de trancher les questions, en pose de nouvelles de sorte que la réponse est constamment différée. Et ce qu'a montré le débat sur les pesticides, je vous incite à lire le rapport de l'OPEX parce qu'il est passionnant, montre bien que les pesticides ont été pris dans cet engrenage. Parce que l'agriculture, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment un métier qui a été un métier de réduction des risques. C'est-à-dire qu'on a demandé aux agriculteurs de réduire nos risques. Et nos risques de consommateurs, c'était celui de ne pas avoir accès à une alimentation saine. Toujours là, on craignait des famines, par exemple, ou des mauvaises récoltes, sachant qu'en même temps, le métier d'agriculteur est devenu pour les agriculteurs un métier à haut risque. Ne serait-ce que pour anticiper à l'automne le prix de la récolte, au mois de juillet suivant, qui dépend de la qualité des semences, du climat, des insectes. Autrement dit, on a demandé aux agriculteurs de prendre des risques pour que nous soyons libérés de nos risques. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en quelques décennies, alors que les pesticides ont été un instrument essentiel de la réduction du risque, que chacun acceptait pour cette raison, ils sont devenus le symbole d'une agriculture qui produit du risque. Peut-être, sans doute à juste titre, ce n'est pas la question. Ce que j'essaie de montrer, c'est comment la chose s'est inversée, comment une sorte de renversement s'est bel et bien produit, et comment la problématique s'est en quelque sorte retournée contre elle-même. De sorte qu'aujourd'hui, on a pratiquement, au plus haut niveau de l'État, une sorte de scepticisme institutionnel
à propos de toutes les questions. Les OGM, les pesticides, les nanos, etc. Je vous fais part de ça. Maintenant, j'en viens à ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire ce fameux esprit des Lumières. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'esprit des Lumières? Alors, j'ai lu quelques ouvrages sur la question, notamment l'ouvrage de Tsvetan Todorov qui s'appelle L'esprit des Lumières, dans lequel il montre que cet esprit se caractérise par un certain nombre de promotions. Enfin, on promeut certaines choses, la première étant l'autonomie de l'entendement et la primauté de l'esprit scientifique. Je détaillerai ça un peu plus loin. On promeut également la finalité humaine de nos actes. C'est-à-dire l'esprit des Lumières, ça vise à viser non pas Dieu, mais les hommes. On déploie ses actions vers les hommes et non pas vers Dieu. C'est-à-dire que le but, ce n'est plus le salut, le but, c'est le bonheur. Le bonheur de tous, ce n'est pas le bonheur individuel qui est visé à l'époque, c'est le bonheur collectif. Et on promeut également l'universalité, notamment celle des droits de l'homme. Or, nous nous considérons tous comme les héritiers des Lumières, et la question se pose de savoir à quelle distance nous sommes réellement de leur esprit. Alors, la première remarque qu'on peut faire, c'est que il ne faudrait pas trop idéaliser les Lumières, encore moins le siècle des Lumières, parce que comme le disait Bachelard, la lumière projette toujours quelque part des ombres. Cette formule de Bachelard, évidemment, elle vaut pour la lumière elle-même, la lumière physique, mais elle vaut également pour la philosophie des Lumières, qui a des versants ombrageux, voire obscurs. Le siècle des Lumières, par exemple, a été un siècle ambigu, où ont cohabité en bonne intelligence l'encyclopédie, qui reflète vraiment l'esprit des Lumières, les fêtes galantes, là on peut discuter, et la guillotine. La guillotine, qui a tourné à plein régime, si j'ose dire. C'est une belle formule, ça tient. Et donc, avec le recul, il apparaît que le siècle des Lumières n'a pas été intégralement lumineux, c'est plutôt un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, une sorte de juxtaposition de ce que nous sommes devenus par la suite, qui commence alors à émerger, et d'un monde dont les posauteurs nous parlent plutôt d'autrefois. Il y a un très beau texte, même s'il est discutable à mon avis, de Bourdieu sur la question, qui s'appelle Méditation pascalienne, où Pierre Bourdieu est encore plus sévère que Bachelard à propos de l'esprit des Lumières. Il va beaucoup plus loin. Il parle, je le cite, d'un obscurantisme des Lumières qui peut prendre la forme d'un fétichisme de la raison ou d'un fanatisme de l'universel qui reste fermé à toutes les manifestations traditionnelles de croyance. Et qui, comme l'atteste par exemple la violence réflexe de certaines dénonciations de l'intégrisme religieux, ne sont pas moins obscurs et opaques à eux-mêmes que ce qu'ils dénoncent. Fin de citation. C'est un texte de 97, et je ne sais pas si Bourdieu dirait la même chose aujourd'hui, notamment la violence réflexe de certaines dénonciations de l'intégrisme religieux. J'ai un petit doute. Par ailleurs, je pense que cette réduction de Bourdieu parlant d'un obscurantisme des Lumières, prenant la forme d'un fétichisme de la raison ou d'un fanatisme de l'universel, je me demande s'il est vraiment tenable, au sens où, même si l'on ne s'en tient qu'au philosophe, on ne trouvera pas au siècle des Lumières que des rationalistes inconditionnels. Et ils sont feux de beaucoup. Par exemple, David Hume, grand philosophe des Lumières, disait que les hommes sont dirigés par leur passion beaucoup plus que par leur raison. Il y a cette belle formule, une égratignure de mon doigt, mais plus importante que la fin du monde. Ça veut dire que l'égratignure de mon doigt va provoquer en moi une émotion, une passion,
bien supérieure à celle que va provoquer l'annonce de la fin du monde, qui m'est rationnellement annoncée, mais c'est mon petit doigt qui compte. Ça rejoint un petit peu ce que disait Wittgenstein sur l'éthique, hein. La véritable éthique, c'est une espèce d'engagement total, absolu, qui vient relativiser toutes nos petites passions individuelles. Et pourtant, ce n'est pas du tout ça qu'on observe. Un autre exemple de philosophe des Lumières, Montesquieu, disait que nous sommes mus par un désir irrationnel de pouvoir, beaucoup plus que par la raison. Rousseau, lui, développe que la conscience doit l'emporter sur la raison. La raison est secondaire par rapport à la conscience. Et si on ajoute aux philosophes, les écrivains, les peintres, etc., on est obligé d'inclure l'inconscient. Alors j'emploie un mot évidemment qui n'existe pas à l'époque, mais on est obligé d'inclure l'inconscient, la fantaisie, le plaisir, la sensualité, qui sont largement commentés pendant le siècle des Lumières. Donc Bourdieu traite du siècle des Lumières d'une façon un peu caricaturale, mais ce qui est indiscutable, c'est que c'est au siècle des Lumières que s'est forgée l'idée de progrès. D'ailleurs, comme résultat d'une découverte philosophique négative des physiciens, c'est quand Newton, après Galilée, comprend que le temps est un paramètre à une dimension, autrement dit, il faut une coordonnée pour dire une date alors qu'il en faut trois pour l'espace, que s'est posée la question de la forme du temps. Quand vous tracez une courbe à une dimension, comme c'est un paramètre à une dimension, c'est une courbe à une dimension qu'il représente, vous pouvez tracer une courbe sur une feuille. Et quelle que soit la courbe que vous tracerez, elle appartiendra à l'une ou l'autre des deux catégories suivantes. Soit la courbe sera fermée sur elle-même, soit elle aura deux extrémités différentes. Si elle a deux extrémités différentes, vous tirez dessus, ça fait une droite, enfin un segment de droite. Et si elle est bouclée sur elle-même, en la déformant de façon continue, c'est-à-dire sans changer sa topologie, vous en faites un cercle. Et donc à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, il est soit linéaire, soit cyclique. C'est ça l'alternative qui est induite par la découverte de Newton. D'où la question, est-ce que le temps est linéaire ou est-ce qu'il est cyclique? Pour des arguments que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont liés à la causalité, on choisit un temps linéaire, c'est-à-dire un temps qui ne passe jamais deux fois par le même point. Alors que d'autres arguments venant de l'histoire, de la philosophie, de la théologie, militaient plutôt pour un temps cyclique. Et dans un temps linéaire, vous pouvez penser un futur différent de ce qu'a été le passé. Dans un temps cyclique, c'est impossible. Et donc, l'idée de progrès à avoir directement avec la linéarisation que les physiciens ont faite du temps. Alors, cette idée de progrès, c'est une idée dont Kant dit qu'elle est consolante. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est consolante? Parce qu'elle étaye l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, et ce faisant, elle rend l'histoire humainement supportable. On se dit que peut-être ça va aller mieux, ce qui aide à supporter le fait que ça aille mal. Elle a donc à voir avec l'idée d'espoir ou d'espérance. D'ailleurs, petite curiosité que je livre à votre réflexion, quel est l'anagramme de l'idée de progrès? Prenez l'idée de progrès avec le L. Vous changez l'ordre des mots, enfin des lettres, qu'est-ce que ça donne? Ben je vous écoute. Ça donne un truc étonnant, ça donne le degré d'espoir. L'idée de progrès, c'est le degré d'espoir. C'est une coïncidence, mais elle est éloquente. Et donc, l'idée de progrès fait miroiter sur la ligne du temps une utopie qui est certes désirable, mais qui n'adviendra pas toute seule. Et donc, elle ne sera accessible qu'à la condition qu'on mette le paquet pour l'atteindre. Et comme cette utopie est crédible et attractive, elle fait lever les têtes, retrousser les manches
et elle donne l'envie d'avancer pour atteindre cet horizon qu'on désire. Mais elle est également consolante, dit Kant, par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler un progrès dont l'individu particulier ne voit pas, ne fera pas lui-même l'expérience. Si ce sont ses enfants, ses descendants qui verront le changement. Le changement, c'est jamais pour maintenant. Et Kant, il résume ça, excusez-moi, c'est... Kant a dit ça d'une façon que je cite, « L'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine, sous l'aspect qu'elle cherche de toutes les forces à revêtir. » Croire au progrès, c'est donc refuser la bohème. Et c'est en cela que cette idée consolante devient une idée sacrificielle. Croire au progrès, c'est accepter de fabriquer du futur collectif en sacrifiant du présent personnel. Vous sacrifiez votre présent au nom d'une certaine idée du futur. Et vous le sacrifiez en travaillant beaucoup. La bohème, c'est profiter du temps qui passe, profiter des plaisirs, du loisir, sans s'engager pour l'avenir. Donc, croire au progrès, c'est refuser la bohème. Et la question, c'est, est-ce qu'on en est encore là? C'est-à-dire, au nom de quoi sommes-nous prêts à sacrifier notre présent personnel? C'est une question éthique, évidemment, je ne vais pas y répondre, mais je la pose pour montrer que là, il y a une sorte de distance qui s'est instaurée vis-à-vis de l'esprit des Lumières. Et vous voyez que dès lors que vous invoquez un futur désirable qui est différent du présent actuel, d'une certaine façon, vous mettez la société en crise. Au sens où vous installez une tension ou un déséquilibre entre ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être. Ou bien entre ce qu'elle est et ce qu'on désire qu'elle devienne. Et donc on crée une sorte de tension entre le réel et l'imaginaire. Croire au progrès, c'est toujours considérer que le présent est insatisfaisant. Il doit être encore travaillé. Et donc c'est reconnaître qu'il y a une sorte de crise. D'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande qui a été publié il y a quelques mois, je crois au mois de septembre 2012, par une philosophe, Myriam Revaud-Allonne. Livre qui s'intitule « La crise sans fin » et dans lequel elle explique que la crise a l'âge de la modernité. Autrement dit, nous sommes en crise depuis que nous sommes modernes. Et d'ailleurs, la crise dont on parle aujourd'hui, ça n'est plus la crise de ceci ou de cela. C'est plus la crise d'un phénomène ou d'une situation particulière. C'est plus simplement la crise financière ou la crise des matières premières ou je ne sais quoi, ou du pétrole. C'est la crise avec un grand C, c'est la crise tout court, c'est-à-dire un concept transcendantal qui surplombe notre rapport au présent. Alors vous voyez que j'ai dit des choses bizarres, parce que si vous les mettez ensemble, ça donne la conclusion suivante. J'ai dit que être en crise, c'est vivre dans le progrès. Donc si cette définition est vraie, alors nous vivons dans le progrès comme nous n'y avons jamais vécu. C'est-à-dire nous sommes tellement en crise que nous sommes à fond dans le progrès, ce qui paraît un peu paradoxal. Alors maintenant, pour mesurer la distance dont je parle, je reviens sur ce qui caractérise l'esprit des Lumières, donc l'autonomie de l'entendement. On privilégie ce qu'on choisit et ce qu'on décide soi-même
au détriment de ce qui nous est imposé par une autorité extérieure. Est-ce qu'on en est vraiment là? Deuxième chose, la primauté de l'esprit scientifique sur la providence. Alors évidemment, la révolution newtonienne, c'est l'exemple archétypal. Primauté de l'esprit scientifique. Et cette tendance s'accompagne bien sûr d'une croissance de l'esprit critique. C'est le moment où John Locke, par exemple, fait la critique des idées innées. Troisième point, la finalité humaine de nos âges, j'en ai déjà parlé, la quête du bonheur remplace celle du salut. L'universalité, quatrième point, le sacré ne disparaît pas, simplement il a quitté les dogmes et les reliques et s'incarne dans les droits de l'homme qui devront être universellement reconnus. Il y a aussi dans l'esprit des Lumières un universel lié à la science, qui à l'époque est confondu avec la vérité. L'une des vérités que défendaient les Lumières était que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle la volonté du peuple ne peut pas avoir de prise. Je cite un tout petit extrait de David Hume dans un texte qui s'appelle « Le sceptique ». Qu'il a rédigé en 1742. Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure au repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. Bon, ce que dit Hume, c'est que quoi qu'en pense le peuple, la Terre va tourner autour du Soleil, et pas l'inverse. La vérité ne saurait relever d'un vote. Alors, regardez la distance. Pas très longtemps, il y a eu un article dans Libération, d'un grand sociologue des sciences, disant « Les scientifiques ne sont pas d'accord sur le réchauffement climatique, on va donc procéder à un vote au suffrage universel. Le peuple va décider si ça se réchauffe ou pas. » Mais, et il faut lire Hume jusqu'au bout, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes en démocratie. C'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu, puisque celui-ci peut toujours, face au pouvoir, se réclamer du vrai. Quitte à partir dans les geôles staliniennes ou ailleurs. Mais il aura pu contester le pouvoir au nom du fait que le pouvoir ne dit pas le vrai. Et donc, compte tenu de tout ce que j'ai dit sur le relativisme, et le fait que non seulement le peuple, mais un individu particulier peut contester la relativité à partir de ce ressenti, vous voyez bien qu'on a un peu quitté l'esprit que décrit là David Hume. Alors pour aller plus loin, on peut rester à la lecture de Kant et lire un de ses textes publié en 1784 qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Donc ça va compléter ce que j'ai tiré de la lecture de Todorov. Et il suffit de lire les premières lignes de ce texte pour être fixé. Qu'est-ce que les Lumières, demande Kant? Il répond, c'est la sortie, en allemand ça donne Ausgang, la sortie, de l'homme hors de sa minorité, minorité dont il est lui-même responsable. Qu'est-ce qu'il appelle la minorité? C'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Et donc, cette minorité de l'homme dont il parle est une minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause en réside non pas dans un défaut de l'entendement de cet homme, mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui.
si vous voulez, ça résulte d'un manque de courage et non pas d'un manque d'intelligence. Donc, la devise des Lumières que Kant développe, vous la connaissez, c'est « sapere aude », c'est-à-dire « aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Il dit « voilà la devise des Lumières, aie le courage de t'en servir de ton propre entendement ». Alors, vous voyez que cette recommandation, quand elle est mal interprétée, milite pour le narcissisme intellectuel que je dénonçais tout à l'heure. Je n'ai pas besoin d'Einstein pour savoir ce que je dois penser du temps. Je peux le penser à partir de mon propre ressenti. Sauf que là, ce n'est pas l'entendement qui a été invoqué par l'étudiant que j'ai cité, c'est autre chose, c'est le ressenti, c'est sa psychologie, c'est son rapport au monde, etc. Mais il n'a pas argumenté. Alors, le texte que je viens de citer, de Kant, évidemment, il a été abondamment commenté, notamment par Michel Foucault, qui voyait pour Kant, alors je cite Foucault, c'est toujours un peu compliqué, une manière de problématiser sa propre actualité discursive. Parce que ce que remarque Foucault, c'est que Kant ne s'intéresse plus aux conditions de possibilité de la connaissance, comme il le fait dans d'autres ouvrages, mais à la question du sens et des implications du présent lorsque les normes de la vérité y deviennent caduques. Minorité renvoie à l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'un autre. Alors un autre, ça peut être l'autorité d'un livre qui me tient lieu d'entendement, celle d'un directeur de conscience qui pense à ma place. Aujourd'hui, on parlerait du politiquement correct. Est-ce que nous sommes capables de nous servir de notre entendement sans tenir compte du politiquement correct? J'en sais rien, je pose la question. D'ailleurs, Foucault la pose. La minorité dont parle Kant est une minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause, il l'a dit, ce n'est pas une déficience de l'entendement, ni une contrainte exercée par l'extérieur. Il n'y a personne qui nous interdise de nous servir de notre entendement. Ce n'est donc ni un état d'impuissance naturelle, ni un état de privation ou de dépossession politique ou juridique. Les hommes sont mineurs parce qu'ils n'ont pas le courage de se servir de leur propre entendement sans avoir recours à la direction d'autrui. Parce qu'ils ne veulent pas se conduire eux-mêmes, dit Kant, d'autres se sont présentés pour le faire à leur place. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Kant, il n'y a aucune finalité historique. Il ne dit pas les Lumières doivent viser un certain état de la société. Il n'y a pas un horizon qu'il faudrait viser. Et cela relativise le point 3 que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la finalité humaine de nos actes. Pour Kant, les Lumières, c'est surtout un événement de pensée. Ce n'est pas un événement politique. C'est un événement de pensée. Kant, par ailleurs, ne croit pas au progrès, donc on peut adhérer à l'esprit des Lumières sans adhérer au progrès. Kant n'a jamais imaginé qu'on pourrait redresser ce qu'il appelle le bois tordu de l'humanité. Il ne se prononce pas non plus sur la possibilité qu'un jour nous sortions effectivement de notre minorité et devenions majeurs. Beaucoup de choses laissent à penser que nous ne le sommes pas encore. Combien parmi nous peuvent prétendre qu'ils se servent de leur entendement tous les jours, à propos de tous les sujets qu'ils ont à traiter? Alors, une façon de voir encore une fois la distance qui nous sépare des Lumières, c'est de voir que nous ne parlons plus du progrès comme d'un grand boulevard en sens unique. Le progrès n'est plus une instance sacrée. Nous avons compris qu'il n'est plus un soulagement. Il s'accompagne de régression, se trouve soumis à toutes sortes de critiques, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de ballottage
dans l'air. Nous ne croyons plus à la possibilité pour l'humanité d'un état final, définitif, stable, où il n'y aurait plus rien d'autre à faire que de le maintenir sans avoir à déployer autant d'efforts que ceux consentis pour parvenir à cet état. Chez certains philosophes des Lumières, il y a l'idée que quelques générations vont se sacrifier, mettre la société dans un état parfaitement désirable, et pour maintenir cet état, il y aura beaucoup moins d'efforts à faire que ceux accomplis pour atteindre cet état. D'ailleurs, vous savez qu'une des critiques de l'esprit des Lumières venait de certains religieux qui disaient que l'idée de progrès allait délégitimer la notion même d'effort. Puisque ce qu'on nous promettait, c'est un jour qui viendra où les efforts ne seront plus nécessaires. Donc une forme de légitimation de la paresse. Mais nous voyons que le nombre de progrès, de problèmes, pardon, ne diminue pas et qu'il croît même à mesure que nous avançons. Alors ça rejoint l'éthique parce que dans les discussions que nous avons évoquées tout à l'heure sur les avancées de la science, la nouvelle technologie, ces questions sont constamment posées. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Quel sens ont nos innovations? Quel genre de futur vont-elles déterminer? Est-ce qu'on est capable de le configurer à l'avance? Est-ce qu'on est capable de prédire les effets qu'elles auront? Ou est-ce que accepter une innovation, c'est prendre le risque de transformer la société sans le savoir, d'une façon qui nous paraîtra désagréable? Il y a une très belle phrase de Paul Valéry, qu'il a écrite, je crois, en 1911, et qui est devenue, finalement, le grand tourment des ingénieurs. La phrase de Valéry, c'est « L'homme sait toujours ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. » Donc vous êtes ingénieur, on vous demande de construire un appareil, vous le construisez, vous savez exactement ce que vous faites. Mais vous ne savez pas ce que va faire ce que vous avez fait. Comment ça va changer la vie des gens, en bien, en mal, quel usage on va faire de cet objet, même. Vous n'êtes pas capable de le dire. Je vous donne un exemple. Vous savez que le web a été inventé, conçu par deux physiciens du CERN dans les années 90, parce que c'est le moment où on faisait des grosses expériences de physique des particules, dans lesquelles il y avait des collaborations mondiales. Il fallait pouvoir échanger des données, des informations, des fichiers entre laboratoires du monde entier, sans que les gens aient besoin de se déplacer. Et ces gens-là ont inventé le World Wide Web, le 3W, que vous connaissez bien. Et pour eux, c'était juste pour que les physiciens puissent travailler. Ils n'ont pas du tout imaginé que ça deviendrait l'Internet d'aujourd'hui. Donc ces gens-là savaient exactement ce qu'ils faisaient, mais ils ne pouvaient pas savoir ce qu'allait faire ce qu'ils faisaient. Et je pense que toutes ces questions, évidemment, colonisent tous les débats éthiques que nous faisons sur les technologies. J'ai même entendu au propos des débats sur le mariage homosexuel l'invocation du principe de précaution, non pas à propos de la nature et de l'environnement, mais à propos de l'homme, en disant « si nous autorisons la GPA ou la PMA, nous faisons des choses que nous savons faire, et nous savons ce que nous faisons, les faisons, mais nous ne savons pas comment elles vont changer les relations humaines, la filiation, etc. Donc nous jouons les apprentis sorciers, et donc au nom du principe de précaution appliqué à l'homme, nous devons empêcher ces possibilités. » Je le dis non pas pour prendre parti, mais pour vous montrer que alors que pendant très longtemps, l'innovation a été acceptée au motif qu'elle donnait à voir concrètement l'idée de progrès en marche, elle est devenue une sorte d'incarnation de la production immédiate d'un futur que nous ne savons pas penser. Et c'est une illustration du fait que aujourd'hui, ce projet technologique n'est plus enchâssé
comme je disais, dans un projet de civilisation qui lui donne du sens et qui le rend acceptable. Hier, à propos du risque, je disais à mes étudiants qui ont 20 ans, je citais l'ouvrage d'Ulrich Beck qui s'appelle « La société du risque ». Et Ulrich Beck argumente autour de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que toute innovation est perçue comme vecteur de nouveaux risques. Et je disais à mes étudiants, vous savez, si on était en 1914, là vous êtes, il y a à peu près 200 filles, 350 garçons, si on était en 1914, ou 1915 ou 16, à la fin de l'année, il n'y aura plus beaucoup de garçons vivants. Mais si vous lisez la correspondance des poilus, il n'y en a pas un qui a écrit « Maman ou chérie, on est dans la société du risque ». Alors qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans la société du risque, alors que les dangers auxquels nous sommes exposés sont bien moindres que ceux auxquels étaient exposés les poilus. Ce qui veut dire que, par exemple, si on les envoyait à la bataille de la Somme, 81 morts le premier jour, je crois, mes étudiants, je pense que le soir, ils rentrent chez eux. Ah oui, ils rentrent chez eux. Parce qu'il n'y a aucune idée transcendante qui leur ordonne de rester. Autrement dit, nous n'acceptons des sacrifices, y compris extrêmement lourds, qu'à la condition de pouvoir les interpréter dans un sens qui leur donne une valeur. Et c'est ça qui a peut-être changé, c'est quelles sont les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à nous sacrifier, individuellement ou collectivement. Évidemment, c'est une question grave, je ne vais pas y répondre, mais peut-être que pour avancer ou pour étayer la réflexion, on peut se demander qu'est-ce qu'on appelle le progrès ? Finalement, c'est quoi la définition du progrès ? Alors, ne cherchez pas, j'ai fait le travail pour vous. Je suis allé voir dans deux dictionnaires philosophiques. Le premier, c'est le dictionnaire Robert de la langue française, qui n'est pas vraiment philosophique. Alors, progrès, vous regardez, c'est le développement d'un être ou d'une chose en bien. Je le dis aux organisateurs, si je ne bois pas dans les 5 minutes, je vais être à faune. Donc il y a un choix éthique. Soit on m'amène à boire et je parle, soit on ne m'amène pas à boire et je ne pourrais plus parler. On voit à quel risque on est confronté. Ah oui, c'est vrai. Enfin, j'ai été clair sur l'enjeu. Ah non, c'est vous. Alors ce qui est marrant, c'est que dans ce dictionnaire, vous avez la définition du progrès, c'est le développement d'un être ou d'une chose en bien, mais le verbe progresser dit les choses de façon différente. Progresser exprime le fait de se développer, d'évoluer le plus souvent en mieux. Ouais, ça contredit la définition du progrès, il y a une nuance. Alors je suis allé voir un peu plus loin du côté du vocabulaire technique et critique de la philosophie, le célèbre Lalande. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on y trouve la même prudence. Définition du progrès, très nette. Transformation graduelle du moins bien au mieux, soit dans un domaine limité, soit dans l'ensemble des choses. Merci beaucoup. Et à côté, il y a un alinéa critique dans lequel Lalande ajoute: nous croyons devoir nous en tenir à la définition formelle qui est donnée ci-dessus, sans chercher une définition explicative résumant les caractères communs de tout ce dont la réalisation est communément considérée comme un progrès. Oui, donc on définit le progrès, mais on ne dit pas en quoi ça consiste, parce qu'on perçoit que c'est compliqué. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Oui, ça va vous donner le temps de souffler un peu et de voir. Il me semble qu'il y a une des grosses difficultés avec ce mot de progrès, c'est qu'on confond le progrès et un progrès. Or, l'article conditionne aussi le sens. Le progrès, pour moi, l'article défini, c'est justement ce qui
permet d'éviter d'avoir à le définir. Alors qu'un progrès, on peut discuter... Oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais... assez... Sauf que dans l'esprit des Lumières, il y a un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est l'embrayage qui est mort. Mais à l'époque, on croyait à un embrayage automatique. C'est-à-dire, un progrès dans la connaissance va engendrer un progrès dans la capacité d'agir, qui va devenir un progrès technique, qui va devenir un progrès matériel, qui va devenir un progrès social, qui va devenir un progrès moral, qui va devenir un progrès politique. D'accord ? Et donc il suffit d'agiter cette matrice pour que le progrès colonise toutes sortes de secteurs, y compris des secteurs très différents de celui dans lequel il a germé. Avec l'idée qu'à la fin, ça va bénéficier au genre humain. D'accord ? Et finalement, quel que soit le progrès que vous faites, un progrès technique, moral, politique ou autre, il aura des conséquences dans tous les autres secteurs en termes de progrès. Par exemple, politiquement, vous pouvez garantir que un progrès politique va permettre aux gens d'accéder davantage aux connaissances, ce qui va engendrer des progrès dans la connaissance. Lisez D'Alembert. D'Alembert dit... Prenez une société tyrannique. Dans cette société, enseignez la géométrie à quelques personnes. Quelque temps plus tard, le peuple se libérera de son joug. C'est bien l'idée d'un embrayage. Vous installez de la connaissance, quelques personnes utilisent leur entendement, et progressivement, ça va libérer la société. Vous voyez bien qu'il s'est trompé. Prenez la Corée du Nord. En Corée du Nord, je peux vous dire, ils ont des très bons géomètres. Ils ont des physiciens nucléaires très, très forts. Est-ce qu'ils se sont libérés de leur joug ? Non. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir une société parfaitement bien formée scientifiquement et parfaitement antidémocratique. La distinction que je voulais faire, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est juste que quand on regarde la définition du mot progrès, on néglige l'article. Et en fait, c'est pas pareil de parler de le progrès et un progrès. Et là, en fait, ce que vous dites, c'est que au siècle des Lumières, l'idée était que un seul progrès serait suffisant pour faire une dynamique générale qui serait une forme d'incarnation de le progrès. Et non, mais le progrès qu'on écrivait avec un P majuscule à l'époque, c'est pas un progrès. C'est une transcendance, d'accord ? C'est une transcendance qui donne sens aux innovations. Ce que vous appelez un progrès, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une innovation. D'accord ? Mais le fait qu'on ait confondu pendant très longtemps innovation et progrès venait du fait que l'innovation était, comme je le disais tout à l'heure, enchâssée dans une transcendance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On voyait bien que, enfin je vais y revenir tout à l'heure, mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a des progrès technologiques par exemple. Mais on ne croit plus qu'ils vont engendrer des progrès dans l'intelligence, dans la vie collective, dans le lien social, etc. C'est ça que vous voulez dire, je pense. Mais on est d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, quel que soit le dictionnaire que vous preniez, et dans lesquels vous trouverez des définitions un peu différentes du progrès, je vous donne deux exemples, il y en aurait d'autres, eh bien vous voyez que l'idée, qui a d'ailleurs donné le titre de mon exposé, c'est l'idée selon laquelle croire au progrès, c'est penser qu'on peut relativiser le négatif. C'est-à-dire que ce qui ne va pas, c'est ce sur quoi on va pouvoir travailler pour le sortir de sa propre négativité. C'est-à-dire que le négatif est le ferment du meilleur. Vous regardez ce qui ne va pas, au lieu de dire ce qui ne va pas et condamner à ne pas aller, vous allez travailler dessus pour changer son statut. Se déclarer progressiste ou moderne, c'est la même chose, c'est croire que la négativité contient une énergie motrice que nous pouvons utiliser pour la transformer en autre chose qu'elle-même. Et ce qu'on appelle la postmodernité, c'est le fait que cette espérance s'éternit. Nous sommes entrés dans l'après de cette idée, dans l'après de la modernité, dans une phase irréversible sans doute, de critique et de doute. La postmodernité, en fait, c'est, moi je dirais que c'est la modernité moins l'illusion.
On n'a pas complètement quitté la modernité. Quand il y a un nouveau téléphone portable qui est mis en vente, on se rue pour l'acheter. On adore l'innovation. Mais en même temps, on n'est pas dupe d'elle. Et donc on a perdu l'illusion que vous décrivez, qui est que cette innovation-là pourrait engendrer par elle-même et de façon mécanique un progrès généralisé. Et donc l'illusion que nous avons perdue, c'est celle de la possibilité d'un état final où il n'y aurait plus rien d'autre à faire que de continuer, de répéter sans avoir à déployer les efforts nécessaires pour atteindre cet état. J'en ai déjà parlé. Alors évidemment, tout ce que je dis là est caricatural, au sens où, avec un œil prophétique, on aurait pu remarquer ces ombres portées sur l'idée de progrès dès les débuts de l'ère industrielle. Tout ce que je dis là, des gens l'ont déjà dit au XIXe siècle, mais personne ne les a écoutés. Mais ils l'ont dit. Par exemple, enfin, ce que je veux dire là, c'est que la postmodernité n'est pas une idée postmoderne. C'est une idée moderne. Elle a cohabité avec l'idée de la modernité pendant plusieurs décennies. Par exemple, le fait d'identifier le progrès au développement économique, on a bien vu au XIXe siècle, et ça a été dénoncé, que ça comportait et impliquait des formes d'exploitation terribles des ouvriers. Il était également visible que l'environnement a subi lui aussi très rapidement des répercussions, puisque le développement productif et technologique implique, dès cette époque-là, la pollution des villes. Et ces deux phénomènes que je viens de résumer ont d'ailleurs été décrits dès le début du XIXe siècle, dans les romans de Dickens, et un peu plus tard, dans Marx. Et donc, l'idée d'une absence de maîtrise de l'innovation a toujours été opposée au mythe du progrès toujours positif. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est peut-être nouveau, c'est que la science et la technique se présentent désormais comme les ennemis de la culture et de la société. Il y a en quelque sorte une inversion des signes, sinon dans la réalité, du moins dans de très nombreux esprits. Or, vous voyez bien qu'il ne saurait y avoir de progrès sans désir explicite de progrès. Pour que le progrès advienne, il faut le désirer, et comme il n'est pas automatique, il faut y travailler. La question du progrès est une affaire, sinon de libido, du moins d'appréciation psychologique du cours des choses. Alors, je crois qu'en France, on est très particulier, parce que les sondages montrent qu'on diffère de tous les pays européens, au sens où nous avons le moral dans les chaussettes et une libido complètement atone. On se laisse aller, on attend Godot, on n'investit plus, on ne configure plus le futur, on attend Godot. Godot, d'ailleurs, pouvant prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme du retour de la croissance, avec l'argument que la croissance reviendra parce que c'est des cycles. Bon, alors on attend que ça revienne. On attend l'inversion de la courbe du chômage. Et moi, j'attends toujours qu'on m'explique ce qu'on appelle l'inversion d'une courbe. Pas mathématiquement, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'inversion d'une courbe? Je ne sais pas, j'ai demandé, personne ne sait. Et donc, comme personne ne sait en quoi ça consiste, on pourra toujours dire après coup que ça a eu lieu. L'inversion de la courbe. Inversion d'une courbe. Donc vous avez une courbe f de x par exemple. L'inversion, ça pourrait être 1 sur f de x. Ou alors, pour un esprit plus tordu, ça pourrait être f de 1 sur x. C'est l'inversion de la pente dont on parle. C'est la dérivée première. Le changement. Non mais attendez, la dérivée première, il n'y a aucune chance. Alors ça peut être la dérivée 17e. La 17e dérivée, là elle peut changer de signe en effet, avant la fin de l'année. Ouais. Voilà. Ah oui. Bon,
Moi, ça me laisse sceptique quand on se donne un projet dont l'intitulé n'a pas de sens. Bon, alors, ce qui est assez nouveau, c'est que on ne peut plus se référer à cette idée qu'on peut relativiser le négatif. Tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle le négatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est toujours au nom du bien qu'on agit. En tout cas, c'est toujours en l'invoquant. Rares sont ceux qui disent « je veux faire le mal ». Mais le XXe siècle a tragiquement montré qu'on peut faire le mal au nom du bien. Et d'ailleurs, quand on a une idée trop précise de ce qu'est le bien, on s'estime autorisé à tuer ceux qui ne partagent pas cette idée. Et d'ailleurs, la philosophie politique la plus précise en matière de bien, je veux dire la philosophie politique qui dit avec la plus grande précision possible ce qu'on appelle le bien pour une société, c'est le nazisme. Le nazisme est une philosophie précise, très précise. Du coup, tout ce qui sort du cadre très précis, qui est l'objectif qu'on se donne, doit être éliminé. Et donc on l'a tué au nom du bien. Enfin, au nom d'une idée trop précise de ce qu'est le bien. Je pourrais prendre évidemment des exemples de l'autre côté. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Le négatif, c'est relativisé. On ne peut plus l'invoquer comme une instance suffisamment bien définie qui permettrait d'agir. Alors, ce que je dis là, évidemment, est caricatural, et pour vous montrer que ça l'est, je vais vous donner trois citations qui montrent que le rapport au progrès n'a jamais été consensuel, unanime, sans problème. Il n'y a pas eu de période dans l'histoire où, unanimement, nous avons applaudi cette idée de progrès. Alors, je commence par un texte un peu délirant, qui est un texte de Condorcet, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, rédigé pendant la terreur. Vous savez, Condorcet va mourir en prison quelques jours plus tard, victime de la terreur, en mars 1787. Alors, il écrit ceci. Il sait qu'il est menacé, mais visiblement, ça n'entame pas son moral. Il arrivera donc ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes libres, et ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison. L'esprit des Lumières, là, à fond. Un temps où les tyrans et les esclaves, les prêtres et leurs hypocrites instruments, n'existeront plus dans l'histoire que dans l'histoire et sur les théâtres. Un temps où l'on ne s'en occupera plus que pour plaindre leurs victimes et leurs dupes, pour s'entretenir par l'horreur de leurs excès dans une utile vigilance, pour savoir reconnaître et étouffer, sous le poids de la raison, les premiers germes de la superstition et de la tyrannie, si jamais ils osaient reparaître. Il a le moral. C'est un moral d'acier. Non ? On a là ce que j'appellerais une conception religieuse du progrès, avec l'idée que je défendais tout à l'heure d'un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès. Alors on va éliminer les prêtres, les idéologues, etc. C'est la raison qui va piloter le cours de l'histoire. Autre citation, un peu plus tardive, 1855, c'est Baudelaire. Au moment de l'exposition universelle, où il prend l'exact contre-pied de la philosophie du progrès. Je cite, « Il est une erreur qui devient très à la mode et de laquelle je veux me garder comme de l'enfer. Je veux parler de l'idée de progrès. Ce fanal obscur, invention du philosophisme actuel, breveté sans garantie de la nature ou de la divinité. » J'adore cette formule. Breveté sans garantie de la nature. Formule géniale qui dit que la nature n'a jamais dit qu'elle était d'accord. Elle n'a jamais dit qu'elle était d'accord pour les
comment l'exploite, comment on va s'apprêter à le faire. La nature n'a jamais dit qu'elle avait des réserves de pétrole infinies. Elle n'a jamais dit que si on envoie du gaz carbonique dans l'atmosphère, il n'y aura pas une rétroaction de l'atmosphère. Donc on n'a aucune garantie que c'est possible. Ça, c'est quand même une remarque assez géniale de Baudelaire. Il continue, « Cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance. » On dirait du Bachelard. « La liberté s'évanouit. Le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l'histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide. Cette idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne, il écrit mieux que Condorcet, hein, a déchargé chacun de son devoir, délivré toute âme de sa responsabilité, dégagé la volonté de tous les liens que lui imposait l'amour du beau. Et les races amoindries, si cette navrante folie dure longtemps, s'endormiront sur l'oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude. Cette infatuation est le diagnostic d'une décadence déjà trop visible. » Donc pour Baudelaire, le progrès, c'est ce qu'il appelle par ailleurs le paganisme des imbéciles, et il se confond pour lui avec la décadence. Le progrès ramollit les âmes, défait l'idée du beau, etc., etc. Troisième citation, alors elle aussi très délirante, mais beaucoup plus récente, c'est 1930. Vous savez, 1930, c'est l'année où on crée l'ancêtre du CNRS qui s'appelle la Caisse Nationale des Sciences. Et celui qui est invité à prononcer un discours en cette occasion, c'est Jean Perrin, prix Nobel de physique, celui qui a découvert l'atome en 1906. Alors lui, il croit à la science, il croit au progrès, il pense même dans un autre texte qu'en l'an 2000, on ne travaillera que 20 heures par semaine. Et que fera-t-on pendant le temps ainsi libéré? Et voilà, on n'ira pas jouer au golf, on n'ira pas jouer au tennis, on apprendra la science. Comme loisir. Bon. Alors voilà ce qu'il écrit en 1930. Très rapidement, peut-être seulement dans quelques décennies, si nous consentons au léger sacrifice nécessaire, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Ce sera un Éden sur Terre qu'il faut situer dans l'avenir au lieu de l'imaginer dans un passé qui fut misérable. Bon, c'est 1930. Plus personne ne parle comme ça aujourd'hui. Même nos hommes politiques, qui toujours revendiquent le progrès, mais de façon subliminale, ne pourraient pas prononcer de telles phrases. Plus personne n'ose promettre l'Éden sur Terre. Mais il se trouve que dans les années 60, de tels propos émouvaient encore, mais aujourd'hui, on n'y croit plus guère. Simplement, périodiquement, on réamorce cette idée. J'ai parlé des nanosciences tout à l'heure. Et l'une des raisons pour lesquelles le débat s'est si mal passé, c'est pas la seule raison, mais elle a joué un rôle important, c'est qu'aux États-Unis, en 2002, il y a eu un grand rapport rédigé par deux physiciens, qui s'appellent Rocco et Benbridge, sur les nanosciences, dans lequel ils ont repris cette idée du progrès en lui offrant l'occasion d'une rédemption après les déceptions que le XXe siècle nous a procurées. Donc le message, c'est qu'on a tenu compte des leçons du XXe siècle, on va recommencer à zéro, on va réamorcer la pompe et produire une nouvelle civilisation grâce aux nanos qui va nous libérer de tous les tourments que nous avons constatés dans le passé. Et donc, ces discours-là sont tenus par certains, mais peu nombreux sont ceux qui y croient vraiment. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que l'idée d'une absence de maîtrise
de l'innovation a remplacé le mythe du progrès toujours positif. En fait, on est passé du monde des modernes, qui était ouvert et potentiellement infini, à un autre monde, qui est celui de la biosphère, qui est à la fois et à nouveau un monde clos et resserré. Hein, les lumières, la modernité, c'est l'idée que le monde est infini. Et c'est en effet ce qu'en astrophysique, on a constaté, non pas qu'il soit infini, mais en fait il est très vaste, etc. Et là, paradoxalement, on revient à un monde clos et resserré, qui est le monde de la biosphère. L'espace est certes infini, très grand, mais nous, on est emprisonnés dans la biosphère. Et on est aussi en train de comprendre que on ne pourra pas quitter la Terre, même si certains parfois le disent, non, en termes d'énergie, c'est impossible. Évidemment, on pourra envoyer peut-être quelques personnes de sexe différent, coloniser d'autres planètes et ensemencer la vie là où elle n'était pas présente et créer une humanité ailleurs. Mais ce n'est pas notre humanité qui sera déplacée. Et donc, alors qu'on avait toutes sortes d'espoirs d'échapper à notre condition terrestre, on constate que nous sommes emprisonnés dans cette condition. Il y a un texte magnifique que je vous recommande de Husserl. Vous savez, Husserl, très âgé à l'époque, il était en 30... je ne sais plus en quelle année, en 33, peut-être 34, il voit l'arrivée du nazisme. Et dans une sorte de fièvre, il écrit un livre qui s'appelle « La Terre ne se meut pas ».« La Terre ne se meut pas ». Il l'écrit en 3 jours et 3 nuits, d'une seule traite. C'est un texte un peu délirant, incompréhensible parfois, mais une sorte d'intuition géniale. Et sa critique ne porte pas sur ce qu'est actuellement le nazisme, le parti nazi, etc. Il n'est pas dans une critique politique. Il est dans une analyse métaphysique. Et il dit « la Terre ne se meut pas ». C'est-à-dire, Galilée avait raison, Copernic avait raison. La Terre n'est pas le centre du monde. N'empêche que nous sommes des êtres géocentrés. Et que tout notre rapport au monde est déterminé par le fait que nos pieds sont sur le sol. Évidemment, on peut intellectuellement s'extraire de cette situation, mais on ne peut pas s'en extraire psychiquement. Et donc, on ne pourra pas quitter la Terre, ce n'est pas la peine d'imaginer que l'humanité est transposable dans d'autres conditions de vie que la condition terrestre. Malheureusement, je n'ai pas amené le texte, j'aurais aimé vous le citer davantage, mais je l'ai oublié chez moi. Il y a des passages absolument extraordinaires qu'il faut lire aujourd'hui, parce qu'à l'époque, évidemment, personne ne l'a compris ni écouté. Mais il y a une espèce d'annonciation de ce que je viens de vous dire, à savoir que nous comprenons que nous sommes des terriens et que nous sommes définitivement des terriens. En quelque sorte, l'infini, c'est fini. L'utopie, elle est désormais bornée, et elle est même d'une certaine façon proscrite, puisque nous nous heurtons de façon de plus en plus concrète à de multiples limites, de sorte que la finitude que nous éprouvons est très différente de celle des anciens. La finitude des anciens, elle relève d'une sorte de sagesse a priori. On évite la démesure. Et donc, il y a une espèce de sagesse de la finitude. Mais la finitude dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. C'est une finitude qui vient de l'échec même, sur des fronts très divers, de l'affirmation moderne de l'infini. Par exemple, le fait que la nature ne soit pas un réservoir infini, qui est des rétroactions de la nature sur nos propres actions. C'est une idée qu'on ne trouve nulle part chez les modernes. La nature est infinie, on peut puiser dedans, elle est à notre service. Et on découvre qu'elle rétroagit à nos propres actions. Il y a un effet de retour. Il y a une rétrocausalité. Ça, les modernes ne l'avaient pas imaginé.
De sorte que nous devons, plus qu'avant, faire attention à ce que nous faisons. Et donc, évidemment, ça change complètement le rapport que nous avons avec l'idée de progrès. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? On veut le changement, certainement, mais qu'est-ce qu'on veut changer au juste ? Est-ce qu'on veut changer par principe ? Est-ce qu'on veut accepter toutes les innovations, quelles qu'elles soient, au nom d'une certaine idée du progrès ? Ou est-ce qu'on veut faire du cas par cas ? On veut choisir selon les situations ? À ce moment-là, selon quels critères on choisit ? Et selon, c'est la question qu'Emmanuel Hirsch posait tout à l'heure, selon quelle gouvernance ? Qui choisit ? Aujourd'hui, la vérité, c'est que personne ne choisit, ça avance tout seul. Est-ce qu'on veut reprendre la main ? Ou est-ce qu'on veut laisser faire le système ? Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la question qui est posée aujourd'hui, c'est une question basique, qui est la question politique du projet de la cité, de ses fins, et c'est cette question-là que nous n'arriverons pas à résoudre. Que voulons-nous faire socialement des savoirs et des pouvoirs que la science nous donne ? Qu'est-ce qu'on veut en faire socialement ? Pour ce qui est des savoirs, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour ce qui est des pouvoirs, c'est pas à moi de décider. C'est pas aux physiciens de dire s'il faut faire des centrales nucléaires ou pas. Les centrales nucléaires doivent s'insérer, si on les fait, dans un projet politique, dans un projet de la cité. Comment définir ce projet ? Ce qui m'étonne, c'est que ces questions-là sont très peu discutées, y compris dans les campagnes présidentielles. Passer à 50% d'électricité en nucléaire, c'est pas décidé. D'ailleurs, on peut passer à 50% soit en diminuant le nombre de centrales, en réduisant la part du nucléaire dans l'électricité, soit en augmentant la production d'électricité en gardant les mêmes centrales. C'est pas dit. Donc passer à 50%, ça peut se faire de mille manières différentes. Laquelle on choisit, c'est pas dit. Et donc, il nous faudrait, comme je disais tout à l'heure, des projets qui soient un peu plus précis pour qu'on puisse s'y tenir et nous y engager de façon responsable. Alors, pour terminer et pour lancer le débat, je dirais que ces questions qui sont des questions politiques peuvent être illustrées par des arguments qui viennent de la physique. Je ne dis pas qu'il faut physicaliser le débat. Je vais juste vous proposer une sorte d'allégorie ou de métaphore ou d'analogie qui permet de penser la question. J'ai dit tout à l'heure, dans les débats contemporains, le futur ou l'avenir s'est absenté du présent. On n'en parle plus ou on n'en parle qu'à très court terme. Je dirais même plus que la plupart de nos hommes politiques, en tout cas dans les médias, se contentent de commenter le passé récent. Dès qu'un événement a lieu, ils commentent. Tout de suite, à chaud. Et puis dès qu'un autre événement a lieu, ils recommandent, etc. Et donc la politique devient une sorte de commentaire généralisé, non pas du passé, mais de ce qui vient de se passer. Bon, vous m'accorderez que ce n'est pas comme ça qu'on fait un projet de société. Alors maintenant, quel est le statut du futur pour les physiciens ? Beaucoup de gens pensent que c'est la censure. Ah, je croyais qu'il était 11h40 et tu me dis qu'il est 12h40. Bon, ben, je vais être en retard. C'est pas... Je termine juste alors. J'ai beaucoup de collègues qui pensent que les problèmes liés au temps sont réglés par le fait qu'on a mathématisé le temps et qu'on le représente par un axe, une droite sur laquelle on met une flèche et on dit ça c'est le temps. Okay. Sauf que cette représentation ne dit pas comment l'axe des temps est temporellement parcouru. Autrement dit, si vous êtes présent à l'instant présent sur cette droite,
Quel est le statut des instants du futur que vous n'avez pas encore traversés? Est-ce qu'ils sont déjà là à attendre que vous arriviez? Ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout là? Autrement dit, est-ce que cet axe représente l'intégrale de toutes les positions successives que va prendre l'instant présent? Ou est-ce qu'il est un territoire présent de toute éternité que l'instant présent parcourt? Bon, on ne sait pas. Autrement dit, nous ne savons pas comment l'axe des temps est temporellement parcouru. C'est quand même intéressant. Alors maintenant, quel est le statut de l'avenir dans ces conditions-là? Einstein, comme vous le savez, est le promoteur de la théorie de la relativité. Et les physiciens qui font de la relativité générale, théorie de la gravitation, ils militent le plus souvent pour une théorie qu'on appelle la théorie de l'univers bloc, qui dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que pour eux, l'espace-temps, il est présent de toute éternité. C'est un territoire qui est statique. Et l'impression que nous avons que le temps passe vient de nous. Autrement dit, c'est notre mouvement d'observateur sur nos lignes d'univers dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe. En gros, nous sommes les moteurs du temps. C'est un peu comme lorsque vous êtes dans un train, vous regardez par la fenêtre, vous voyez que le paysage défile. Et vous dites... Le paysage défile. Mais évidemment, c'est faux. Ce n'est pas le paysage qui défile, c'est votre mouvement, plus exactement le mouvement du train dans lequel vous êtes, qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile. Alors, vous voyez que dans l'univers bloc, tous les événements du futur sont déjà là, tous les événements du passé sont encore là. La seule différence entre le présent et cela, c'est que vous êtes présent à l'instant présent. C'est votre présence qui dit où est le présent. De la même façon qu'aujourd'hui nous sommes à Paris, ça n'empêche pas Strasbourg d'exister, ça n'empêche pas Brest d'exister. La différence entre ces trois villes, qui ont la même réalité, étant que je suis présent à Paris. Paris est la ville qui accueille ma présence. Mais ça ne la rend pas plus réelle que les autres. Vous voyez que dans cette conception-là, le futur existe déjà dans l'avenir. Il est déjà complètement configuré. Il n'y a plus de place pour la géopolitique, et même plus de place pour la volonté. Alors, c'est une thèse qui évidemment a été critiquée, d'une part parce qu'elle n'est pas compatible avec la mécanique quantique, ou alors quand vous mettez la mécanique quantique dedans, vous êtes obligé de croire à la rétrocausalité, c'est un peu compliqué, je ne vais pas en parler. Mais il y a d'autres physiciens qui défendent l'idée, qu'on appelle le présentisme. C'est l'idée qu'en fait, l'axe des temps, il pousse un peu comme la tige d'une plante dans l'espace. C'est-à-dire la tige, elle croît en colonisant l'espace qui l'entoure. Autour d'elle, il n'y a rien, et c'est sa croissance qui augmente sa taille. Mais l'idée, c'est que le cours du temps, c'est comme une tige de plante, n'existe que le bout de la tige, c'est-à-dire le présent, et c'est l'accroissement de la longueur de la tige qui fait que le présent progresse. Mais il progresse sur le néant. Et dans cette conception, l'avenir n'existe pas du tout. Il n'existera que lorsqu'il deviendra présent. Et à ce moment-là, il ne sera plus l'avenir. Et vous voyez bien que ces deux conceptions qui se discutent en physique n'ont pas le même poids médiatique. Médiatiquement, on est dans le présentisme. C'est-à-dire, l'avenir n'existe pas du tout. Et il me semble que, collectivement, je reprends la question d'Emmanuel, mais je la reformule à ma manière, nous devons trouver le moyen, bien avant que les physiciens tranchent leur propre débat, de faire la synthèse entre l'univers bloc et le présentisme. C'est-à-dire... à la question « Le futur existe-t-il déjà dans l'avenir ?», nous devons répondre « Oui, l'avenir existe, ou va exister, c'est une réalité. » C'est un argument qu'on prend à la théorie de l'univers bloc. Mais
son statut, sa nature, ses contours, ses formes ne sont pas encore complètement déterminés. Et donc, il y a une place, et ça c'est un crédit accordé au présentisme, pour la volonté, pour l'action, pour le désir, pour le projet, qui fasse que ce futur qui nous attend ait quelques ressemblances avec ce que nous désirons de lui. Donc ça ne veut pas dire former un projet de civilisation, trop ambitieux, mais au moins un petit projet de société. Sinon, tout lien de connaturalité entre ce qu'il sera et ce que nous voulons qu'il soit risque d'être perdu. Et donc à la question « Le futur existe-t-il déjà dans l'avenir ?», je propose de répondre « Oui, mais seulement un peu ». Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus.